le mouvement est suivi après de 95 ans. La vie de grève a été suivie. En fait foi, l'immobilisation des taxis, la fermeture du commerce et tant d'autres choses qui démontrent à suffisance que ce n'est pas un repos accordé à nous, mais c'est l'avis de grève qui est suivi. Avez-vous enregistré un incident pour cette première journée? Non. Et on a déployé sur le terrain notre commission de suivi et de contrôle. Et cette commission, jusqu'à l'heure où je vous parle, nous a rapporté zéro incident. Certains usagers de la route déplorent l'installation d'un barrage à la sortie de la baie par les syndicats. Quelle réponse donnez-vous à ces personnes? Au fait, j'ai été informé par le secrétaire général des collectivités de la préfecture. Immédiatement, nous avons envoyé une mission sur place. Mais constat a été fait que ce n'est que des rumeurs qui ont couru. Parce que nos syndicalistes sont présents sur le terrain et tout cas de vandalisme est interdit. Donc nous inscrivons à fond sur cette présence. Avez-vous un autre message à nous confier? Le message, que c'est à l'endroit des élus syndicaux et des travailleurs. Aux élus syndicaux, je leur demande de garder le courage, l'abnégation, pour que la grève continue à connaître son succès à Calais aujourd'hui. Et quant aux travailleurs, nous leur demandons humblement d'observer le mot d'ordre et de rester à la maison. En tout cas, toutes les dispositions sont prises par le syndicat pour éviter les éventuels débordements. Donc, bonne chance aux travailleurs de Guinée, bonne chance à nous, travailleurs de la BEC, et je vous remercie. Je vous remercie.